Bonsoir et bonsoir à tous. Bienvenue sur votre chaîne chrétienne Réveil TV. Vous êtes en direct, n'est-ce pas, sur votre émission Retour à la parole. Ce soir, ensemble, nous allons partager la bonne nouvelle, l'évangile qui est fondé sur Yehoshua. Et cet évangile-là, n'est-ce pas, qui a pour but de sauver nos âmes. Donc, sans plus tarder, nous allons remettre les moments entre les mains du Seigneur, prier afin que le Seigneur nous guide, pour que la chair, n'est-ce pas, se taise et que l'esprit soit au contrôle de toutes choses. Prions. Papa, nous te bénissons. Merci encore pour ces temps de partage. Seigneur, nous voulons, Seigneur, que tu parles à nos cœurs. Seigneur, enseigne-nous ta parole. Papa, viens nous fortifier. Papa, viens ôter les écailles de nos yeux. Donne-nous davantage la capacité à pouvoir discerner les pièges du malin et de ne pas succomber, Seigneur, à la tentation. Seigneur, sois béni. Au nom de Yeshua. Amen. Alors, frères et sœurs, ensemble, ce soir, nous allons partager, n'est-ce pas, sur le thème de ce soir, n'est-ce pas, c'est l'indifférence, n'est-ce pas, face à la visitation du Seigneur. Vous savez, le Seigneur a un plan. La Bible nous dit que le Seigneur a fait toutes choses pour un but. Et le Seigneur, n'est-ce pas, a un plan pour ses enfants, pour chacune de nos vies, pour chacun de nous. Donc, le Seigneur a un plan bien précis. Il y a des choses que le Seigneur veut faire. Et nous savons aussi que nous avons un ennemi, n'est-ce pas? Le diable qui veut tout mettre en place, n'est-ce pas, pour nous amener à ne pas saisir ou encore à sortir du plan du Seigneur, bien sûr par rapport à nos vies. Alors il y a des stratégies, n'est-ce pas, que le diable met en place pour nous éloigner, n'est-ce pas, du but pour lequel le Seigneur nous a créés ou encore nous a envoyés sur terre. Et ensemble, on va prendre les versets, on va commencer, n'est-ce pas? On va prendre Luc chapitre 19 à partir du verset 40, l'évangile de Luc. Luc chapitre 19, verset 40, 44. Voilà. Alors la Bible dit. N'est-ce pas? Dans Luc chapitre 19, à partir du verset 44, on va même lire même à partir du verset 41, la Bible dit, et comme il approchait, voyant la ville, il pleura sur elle, en disant, si toi aussi, au moins en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui regardent ta paix, mais maintenant elles sont cachées à tes yeux, car des jours viendront sur toi où tes ennemis t'entoureront de tranchées et t'environneront et te serreront de tous côtés. Et ils te jetteront à terre, toi et tes enfants qui sont au milieu de toi, et ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas connu le temps de ta visitation, le temps de ta visite d'inspection. Voyez un peu ici. N'est-ce pas? C'est Yehoshua, n'est-ce pas, qui est en train de pleurer, n'est-ce pas, sur la ville de Jérusalem et qui n'avait pas saisi, n'est-ce pas, le temps de sa visitation. Et Yehoshua annonçait, n'est-ce pas, des choses terribles que, n'est-ce pas, les Israélites allaient vivre. Pourquoi? Parce que ils n'ont pas su, n'est-ce pas, le temps où ils ont été visités, n'est-ce pas, par le Seigneur. Voyez? Et cette visitation-là, n'est-ce pas, du Seigneur, était accompagné de beaucoup de choses. Vous voyez, quand le Seigneur se révèle à nous, en fait, c'est parce que derrière cette révélation, le Seigneur a un plan. Le Seigneur a des choses qu'il veut accomplir, qu'il veut faire au travers de nous. Et le but, n'est-ce pas, de l'ennemi aussi, c'est de nous amener à tout faire afin de ne pas saisir, n'est-ce pas, le plan du Seigneur par rapport à nos vies. Et ici, la Bible nous dit que Yehoshua va pleurer, n'est-ce pas, sur cette ville, sur la ville de Jérusalem. Pourquoi? Mais parce qu'elle n'avait pas saisi le temps de sa visitation. N'est-ce pas? Et la visitation, n'est-ce pas, de Jérusalem, ouais, cette visitation-là, n'est-ce pas, était la paix, la paix, n'est-ce pas, d'Israël était liée à cette visitation. Vous savez, quand le Seigneur, n'est-ce pas, se révèle à nous, c'est parce que, en fait, il veut nous amener à saisir réellement le plan, le but pour lequel il nous a envoyés sur terre. C'est qu'il veut, n'est-ce pas, faire au travers de notre vie. Et c'est en rentrant, n'est-ce pas, en prenant connaissance de ce que le Seigneur veut faire dans notre vie, n'est-ce pas, que nous allons réellement réaliser le but pour lequel nous avons été créés. Et beaucoup, n'est-ce pas, dans notre marche sur terre, nous passons à côté. Voilà pourquoi beaucoup d'entre nous, n'est-ce pas, nous faisons des mauvais choix. C'est parce qu'en fait, en réalité, nous ne saisissons pas le but pour lequel le Seigneur nous a créés.
On peut avoir de l'argent, on peut avoir tout ce dont, n'est-ce pas, le monde peut nous proposer, ouais, un peu. Ces choses-là ne peuvent pas procurer la paix dont nous avons réellement besoin. Ouais. C'est lorsque nous rencontrons réellement le Seigneur, lorsque nous rentrons réellement, n'est-ce pas, dans ce pourquoi le Seigneur nous a créés, que nous réalisons, nous constatons, n'est-ce pas, on peut jouir pleinement, réellement de la vie. Pourquoi? Parce que la paix, la joie, n'est-ce pas, ne dépend pas de ce que le monde nous propose, mais plutôt, n'est-ce pas, du plan parfait de Adonai par rapport à notre vie. Et ici, n'est-ce pas, Yoshua va se lamenter, n'est-ce pas, sur la ville, n'est-ce pas, de Jérusalem. Il dit, si tu connaissais, n'est-ce pas, le temps de ta visitation, parce qu'il arriverait un temps où tes ennemis vont te serrer de part et d'autre, et ils vont te maintenir, n'est-ce pas, dans la servitude. Bien que ici, n'est-ce pas, il annonçait la destruction future, n'est-ce pas, du temple de Jérusalem, ouais, un peu. Mais ici aussi, n'est-ce pas, prophétiquement, n'est-ce pas, il annonçait aussi le temps de servissement, le temps de servitude, n'est-ce pas, que beaucoup d'Israélites allaient connaître. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas saisi le temps de leur visitation. Voyez? Donc, ou encore, ils ont été indifférents, n'est-ce pas, par rapport à la visitation du Seigneur. Voyez? Et l'indifférence, c'est quelqu'un d'indifférent, n'est-ce pas, c'est l'état d'une personne qui n'est pas sensible ou qui manque d'intérêt pour une chose. Ça veut dire qu'au bout d'un moment, n'est-ce pas, on peut ne pas être sensible par rapport à ce que le Seigneur veut faire dans notre vie. Voyez un peu? Et cet état-là, n'est-ce pas, peut être la conséquence, n'est-ce pas, de plusieurs choses. Ensemble, à la lumière des Écritures, n'est-ce pas, nous allons essayer de décortiquer qu'est-ce qui peut nous amener à être indifférents, n'est-ce pas, par rapport face à la visitation du Seigneur. Oui. Et la Bible nous dit, n'est-ce pas, avant de rentrer en profondeur, n'est-ce pas, dans l'enseignement de ce soir, on va étudier un peu la vie de quelqu'un qui a été visité par le Seigneur, mais qui n'a pas été indifférent, mais qui a saisi l'opportunité et le Seigneur, n'est-ce pas, s'est révélé à lui et il a pu expérimenter la fidélité, la bonté, n'est-ce pas, de notre Seigneur. Nous allons lire Genèse chapitre 18. Genèse 18. À partir du premier verset. Seigneur, merci. Papa, nous te bénissons pour ta parole. Ouais, la Bible dit, Yahweh lui apparut dans les plaines de Mamré, comme il était assis à la porte de sa tente. Pendant la chaleur du jour, il leva les yeux et regarda, et voici, trois hommes s'étaient devant lui. Quand il les vit, il courut au-devant d'eux, depuis la porte de sa tente, et se prosterna à terre. Il dit, Adonai, je te prie, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe pas, je te prie, loin de ton serviteur. Comprenne, je prie, un peu d'eau et lavez vos pieds et reposez-vous sous un arbre. J'apporterai un morceau de pain pour fortifier votre cœur. Après quoi, vous passerez outre, car c'est pour cela que vous êtes venus vers votre serviteur. Et ils dirent, fais ce que tu as dit, Abraham. Donc s'en alla en hâte dans la tente vers Sarah et lui dit, vite, pétris trois mesures de fleurs de farine et fais des gâteaux. Puis Abraham courut au troupeau et prit un veau tendre et bon et le donna à un serviteur qui se hâta de l'apprêter. Ensuite, il prit du beurre et du lait et le veau qu'on avait apprêté et le mit devant eux. Il s'éteint auprès d'eux sous l'arbre et ils mangèrent. Et ils lui dirent, où est Sarah ta femme? Et il répondit, la voilà dans la tente. Et l'un d'entre eux dit, je reviendrai vers toi au temps du renouveau. Et voici que Sarah ta femme aura un fils. Et Sarah écoutait à la porte de la tente qui était derrière lui. Or Abraham et Sarah étaient vieux, très avancés en âge. Et Sarah n'avait plus ce que les femmes ont coutume d'avoir. Et Sarah rit en elle-même et dit, maintenant que je suis vieille et mon Seigneur aussi est vieux, aurais-je encore des désirs? Et Yahweh dit à Abraham, pourquoi Sarah a-t-elle ri en disant, enfanterai-je vraiment et réellement moi qui suis vieille? Vous voyez ici, n'est-ce pas, la Bible ici nous révèle, n'est-ce pas, la visitation d'Abraham, notre ancêtre. Abraham est un patriarche. La Bible dit que c'est le père de la foi. Vous voyez, la Bible dit qu'Abraham avait reçu l'appel du Seigneur et le Seigneur avait fait une promesse, n'est-ce pas, dans la vie d'Abraham. Le Seigneur avait dit à Abraham qu'il allait bénir Abraham. Et
pendant, n'est-ce pas, la marche, n'est-ce pas, d'Abraham avec le Seigneur, Abraham n'a pas automatiquement, n'est-ce pas, il n'est pas automatiquement rentré en possession de tout ce qu'il avait reçu, n'est-ce pas, comme promesse venant de Yahweh. Non. Vous voyez? Et Abraham, au bout d'un moment, n'est-ce pas, il a dû s'interroger, il a dû se poser des questions, vous voyez un peu, il a dû s'interroger comme tout être humain. Seigneur, et pourtant tu m'as promis, Seigneur, et pourtant tu as promis faire telle ou telle chose avec moi, mais pourquoi, n'est-ce pas, sur le contraire aujourd'hui que je vois? C'est des choses qui peuvent nous arriver, c'est des choses qui peuvent arriver, n'est-ce pas, parce que nous sommes humains. Vous savez, l'homme, n'est-ce pas, l'homme fait des chairs et sujet à quoi? À la faiblesse. Et dans cette faiblesse-là, il peut nous arriver, n'est-ce pas, de douter. Mais rester dans cet état de doute, frère, peut nous pousser, n'est-ce pas, à passer à côté de ce que le Seigneur veut faire dans notre vie. Vous voyez, Abraham ici, la Bible dit qu'au bout d'un moment, n'est-ce pas, il va recevoir la visitation, n'est-ce pas, des gens. Vous voyez un peu? Et ces personnes-là, n'est-ce pas, étaient, n'est-ce pas, des messagers du Seigneur. Et il y avait l'ange de l'Éternel qui était une préfiguration de Yahushua, n'est-ce pas, notre Seigneur et Sauveur. Le Seigneur avait visité Abraham, ouais, pour réellement, n'est-ce pas, l'amener à vivre quelque chose, n'est-ce pas, qu'il avait auparavant, n'est-ce pas, promis à Abraham. Et Abraham, malgré tout ce qu'il avait enduré, malgré tout ce qu'il n'avait pas expérimenté avec le Seigneur, ouais, il a su garder le cap. Il a su, n'est-ce pas, garder la bonne attitude. Et ce qui a fait en sorte que lorsque ces anges, n'est-ce pas, se sont présentés à Abraham, Abraham ne s'était pas posé beaucoup de questions. Abraham n'a pas commencé à se dire, est-ce un piège du diable? Est-ce que c'est les gens qui me veulent du mal? Ainsi de suite. Non, Abraham a su discerner. Il a exercé l'hospitalité. Et en exerçant l'hospitalité, frère, n'est-ce pas, la promesse, n'est-ce pas, du Seigneur a fini par se réaliser. Parce que la Bible dit que l'ange de Yahweh va lui dire, il reviendra, n'est-ce pas, à cette même époque l'année prochaine et Sarah, sa femme, sera enceinte. Vous voyez? Donc, Abraham n'a pas été indifférent, n'est-ce pas, face à la visitation du Seigneur. Voyez, il a gardé la bonne attitude. La Bible nous demande, n'est-ce pas, d'être sobre. Voyez un peu, la sobriété aussi, n'est-ce pas, c'est l'état d'une personne qui est stable. Et le monde dans lequel nous sommes, n'est-ce pas, l'ennemi met des choses en marche, en place, pour nous pousser à être ivre. Quelqu'un qui est ivre, c'est quelqu'un qui est instable. C'est quelqu'un, n'est-ce pas, qui n'a plus, n'est-ce pas, le contrôle de sa vie, qui n'a plus le contrôle de son âme, qui est constamment, n'est-ce pas, troublé, qui est constamment, n'est-ce pas, dans des inquiétudes. Et une telle personne, n'est-ce pas, peut passer à côté des choses que le Seigneur veut faire dans sa vie. Alors, Abraham, n'est-ce pas, vous voyez, il n'a pas été indifférent, n'est-ce pas, face à la visitation du Seigneur. Il a compris, n'est-ce pas, ce qui se passait. Et en saisissant, n'est-ce pas, cette opportunité, frère, il est rentré pleinement dans ce que le Seigneur voulait faire dans sa vie. Alors, bien-aimé, l'indifférence, n'est-ce pas, peut et amène beaucoup de personnes à passer à côté, n'est-ce pas, du plan du Seigneur par rapport à leur vie. Vous voyez? Et cette indifférence, n'est-ce pas, peut être la conséquence de beaucoup des choses, n'est-ce pas, que nous avons endurées tout au long de notre marche. Vous voyez? Abraham, vu que sa femme était stérile, il a dû, n'est-ce pas, parfois, à un moment donné, faire face au mépris des gens, à des paroles difficiles, aux moqueries. Mais malgré tout ce qu'il endurait, voyez un peu, quoique sur lui, n'est-ce pas, il y avait un appel du Seigneur. Le Seigneur avait déposé quelque chose sur lui. La Bible dit dans Genèse 13 que le Seigneur l'avait béni. Mais le souci d'Abraham, n'est-ce pas, était d'avoir un héritier. Voyez, il y a un moment donné où Abraham a même proposé au Seigneur qu'un de ses serviteurs, du nom d'Éliézer, n'est-ce pas, soit son héritier. Le Seigneur lui dit que non, c'est celui, n'est-ce pas, qui sortira, n'est-ce pas, de tes entrailles. Ce serait lui, n'est-ce pas, que j'ai préparé, n'est-ce pas, à être ton héritier. Vous voyez, dans toutes ces choses-là, n'est-ce pas, Abraham recevait les promesses du Seigneur, mais tout n'était pas clair. C'était comme si c'était confus. Mais il devait arriver un temps où le Seigneur, n'est-ce pas, devait amener ces promesses-là, n'est-ce pas, à la réalisation, à la matérialisation. Vous voyez un peu, le plan du Seigneur, le temps du Seigneur n'est pas forcément le temps des hommes. Parfois, nous, à cause de notre impatience, n'est-ce pas, à cause de la faiblesse humaine, il nous arrive à des moments où nous sommes impatients. Et il nous arrive à des moments où, frère, nous sommes tellement percutés, n'est-ce pas, par les aléas de la vie et qu'on commence à douter et on commence à avoir une attitude qui n'est pas forcément, n'est-ce pas, favorable par rapport à ce que le Seigneur veut faire dans notre vie. Regardons un peu dans Psaume 123, ce qui est écrit là-bas. Oui, Psaume 123. On va lire rien que le verset 4.
Oui, la Bible dit dans Psaume 123, notre âme est assez rassasiée des moqueries. Vous voyez un peu? La Bible dit, il dit, notre âme est assez rassasiée des moqueries, des orgueilleux, du mépris des hautains. Donc, en fait, leur âme était touchée. Donc, en fait, l'une des conséquences, n'est-ce pas, de l'indifférence face aux visitations du Seigneur peut être, n'est-ce pas, le fait que ton âme a été mortifiée par des moqueries. Vous voyez un peu? Par le mépris. Ouais, des personnes, n'est-ce pas, qui nous entourent. Ouais, la Bible nous dit, il dit, notre âme est assez rassasiée des moqueries. Donc l'âme était rassasiée par les moqueries venant des gens. Et le fait, n'est-ce pas, de subir des moqueries, n'est-ce pas, des personnes, ça peut te pousser, n'est-ce pas, à avoir une attitude qui peut te rendre insensible, n'est-ce pas, à la visitation du Seigneur. La Bible nous dit dans Luc chapitre 10, à partir du verset 33, la Bible nous parle, n'est-ce pas, de la parabole, n'est-ce pas, du bon samaritain. Ensemble, nous allons lire cette histoire. Voilà, ça nous parle, ça nous révèle réellement, n'est-ce pas, l'état de cœur des gens. Dans Luc, chapitre 10, à partir du verset 33. Voilà. Alors, la Bible dit, on va même lire à partir du verset 30. Oui, à partir du verset 30, voilà. Mais Yeshua reprit la parole et dit, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho, il tomba au milieu des brigands qui l'ayant dépouillé et couvert des blessures, s'en allèrent, le laissant à demi-mort. Or, un certain prêtre qui par hasard descendait par le même chemin et ayant vu cet homme, passa du côté opposé. Et de même, un lévite arriva à cet endroit, il le vit et passa du côté opposé. Ouais, la Bible nous parle ici, n'est-ce pas, de quelqu'un qui avait été visité par des brigands. Et les brigands, n'est-ce pas, l'ont tabassé de telle sorte qu'il n'avait plus la possibilité de pouvoir se lever par ses propres forces, n'est-ce pas, et se rendre chez lui. Vous voyez, il était dans l'incapacité, n'est-ce pas, de pouvoir se prendre en charge parce qu'il avait tellement été amoché, n'est-ce pas, il avait tellement été tabassé, ouais, un peu par des brigands. Et en passant, n'est-ce pas, dans l'endroit où cette personne-là se retrouvait, la Bible dit qu'un prêtre, n'est-ce pas, est passé par là. Ouais, et les prêtres étaient des gens, n'est-ce pas, qui lisaient la Torah, qui connaissaient ce que disait la Torah. Donc c'était des gens qui connaissaient, n'est-ce pas, qui avaient la connaissance des Écritures. Mais face, n'est-ce pas, à l'état de cet homme-là, ils ont été indifférents. Pourquoi, frère? Il y a une cause. Peut-être aussi ces prêtres qui passaient. Vous savez, le monde dans lequel nous sommes, n'est-ce pas, parfois, nous sommes face et nous comprenons tellement de choses que ces choses que nous comprenons là, lorsque nous ne faisons pas attention, ces choses-là, n'est-ce pas, peuvent impacter négativement notre vie. Voyez, aujourd'hui, on vit dans un monde où les gens sont tellement susceptibles qu'ils voient le danger, ils voient le mal partout. Voyez, comme aujourd'hui, voyez, je vais prendre un exemple. Vous voyez, parfois, il y a des gens, n'est-ce pas, qui sont en route, qui peuvent se permettre, n'est-ce pas, à mendier, à demander de l'argent. Et parmi ces personnes-là qui m'ont dit, il y a réellement des gens qui sont dans le besoin, mais d'autres aussi, n'est-ce pas, qui sont les agents du diable. N'est-ce pas, en leur donnant, n'est-ce pas, ton argent, ils peuvent prendre cet argent-là, n'est-ce pas, pour aller faire des incantations. Frère, mais le Seigneur nous garde, hein, le Seigneur nous protège. Ouais, ils peuvent aller faire des incantations, vous voyez un peu. Et puis au bout d'un moment, n'est-ce pas, tu peux commencer à vivre des combats, alors que ton but, n'est-ce pas, n'était pas de vouloir, ton but était, tu as cherché à aider quelqu'un. Vous voyez un peu, mais en retour, la personne va prendre ton argent-là, n'est-ce pas, pour aller faire quelque chose de mal. Mais cette situation-là, n'est-ce pas, peut t'amener à avoir une position qui peut te rendre insensible, n'est-ce pas, face aux besoins que le Seigneur peut mettre autour de toi. Vous voyez, ce n'est pas forcément toutes ces personnes-là, n'est-ce pas, qui ont des intentions, qui ont des mauvaises intentions. Non. Mais si nous ne faisons pas attention, nous pouvons généraliser. On peut voir le mal partout. Et en voyant le mal partout, vous voyez, on peut être indifférent, n'est-ce pas, face à certaines situations, certainement où le Seigneur veut nous amener à agir. Notre cœur peut se braquer. Vous voyez, ces prêtres-là, nous ne connaissons pas réellement la cause qui a poussé ces prêtres à être indifférents. Vous savez, peut-être parfois, peut-être qu'il était tellement fier de lui-même, le fait d'avoir un statut de prêtre, aller toucher quelqu'un qui était imbibé de sang, vous voyez, bon, il ne se voyait pas à ce niveau, peut-être. Et peut-être aussi, n'est-ce pas, dans sa pensée, il s'est réellement dit que, ah, si je m'en vais le dire, est-ce que ce n'est pas peut-être un piège que derrière les gens vont aussi venir? Vous voyez, ça veut dire, peut-être que son âme était troublée. Vous voyez un peu, le fait que notre âme soit touchée, abîmée par tout ce qu'on entend, par tout ce qu'on subit ou par tout ce qu'on voit, frère. Ça peut être la cause, n'est-ce pas, qui peut nous pousser à être indifférents face à une situation où le Seigneur veut réellement nous amener à agir. Et beaucoup, n'est-ce pas, sans veiller, peuvent passer à côté
n'est-ce pas, du plan du Seigneur. Vous voyez, et par la suite, la Bible nous dit, au verset 33, la Bible dit, « Mais un certain Samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit, et il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin. Et l'ayant fait monter sur sa poupe, sur sa propre bête, il le conduisit dans une auberge et prit soin de lui. Et le lendemain, en partant, il tira de sa bourse deux deniers et les donna à Lot en lui disant, « Aie soin de lui et tout ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. » Lequel donc de ces trois te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? Il lui dit, c'est celui qui a usé de miséricorde envers lui. Et Yoshua donc lui dit, va et toi aussi fais de même. Vous voyez, en fait ici, le Seigneur nous demande, n'est-ce pas, de ne pas être indifférent face aux besoins des autres. Vous savez, la Bible nous dit, n'est-ce pas, ce que vous aimeriez qu'on fasse pour vous, faites aussi de même, agissez de même aussi envers les autres. Vous voyez? Or, aujourd'hui, n'est-ce pas, nous vivons dans un monde où il y a tellement, n'est-ce pas, des choses qui nous percutent qu'à un moment donné, si nous ne veillons pas, frère, nous pouvons être indifférents face à certaines situations, n'est-ce pas, qui se passent autour de nous. Or, parfois, les besoins que le Seigneur peut mettre autour de nous, n'est-ce pas, sont les opportunités qu'il crée pour que l'évangile soit prêché. Qu'il crée, n'est-ce pas, pour nous amener, n'est-ce pas, à rentrer réellement dans ce à quoi il a prévu, il veut faire avec nous. Mais si, n'est-ce pas, nous ne sommes pas sobres, si nous ne veillons pas, n'est-ce pas, à garder la bonne attitude, à rester, n'est-ce pas, connecté, n'est-ce pas, avec notre Seigneur, frère, on peut passer à côté, n'est-ce pas, des visitations du Seigneur. Et en passant à côté des visitations du Seigneur, mes frères, on va tourner en rond et notre vie, n'est-ce pas, sera une succession d'interrogations. Et c'est là, voilà pourquoi vous voyez beaucoup, n'est-ce pas, pour beaucoup de chrétiens, pour beaucoup d'enfants d'Elohim, n'est-ce pas, vous voyez un peu, la marche avec le Seigneur devient comme une pénitence. Ouais, elle est tellement difficile où il y a des incompréhensions à tous les niveaux. Ouais, un peu, on se dit, mais Seigneur, mais c'est comme si tu ne nous écoutais pas. Seigneur, mais c'est comme si tu n'étais pas là. Ainsi de suite. Ouais, les gens s'interrogent beaucoup. Or, ce n'est pas que le Seigneur ne parle pas. Ce n'est pas que le Seigneur n'agit pas. Parfois, quand le Seigneur agit, nous ne saisissons pas. Parce que nous sommes indifférents. Nous sommes tellement, n'est-ce pas, loin de ce que le Seigneur veut faire. Parce que notre âme est touchée. Nous sommes touchés, nous sommes abîmés, que nous devenons, n'est-ce pas, insensibles à ce que le Seigneur veut faire dans notre vie. Vous voyez? Et cette situation-là, frère, elle n'est pas bonne. C'est un danger pour nous en tant qu'enfants du Seigneur. Vous voyez? La Bible nous dit que le Seigneur, n'est-ce pas, veut nous amener de gloire en gloire. Mais pour expérimenter cette gloire, nous avons besoin, n'est-ce pas, d'avoir une certaine attitude, une certaine position, une certaine stabilité, n'est-ce pas, dans la foi, dans notre marche avec le Seigneur, dans notre relation avec le Seigneur. Ouais, un peu. Abraham était quelqu'un, quoique autour de lui, n'est-ce pas, les choses étaient difficiles, ouais, un peu. Il attendait quelque chose, n'est-ce pas, il attendait, n'est-ce pas, la matérialisation, n'est-ce pas, d'une promesse dans sa vie, ouais, mais il a su garder la bonne attitude. Vous savez, même, ouais, quand sa femme, n'est-ce pas, veut lui demander, n'est-ce pas, de prendre sa servante, n'est-ce pas, comme femme, afin d'avoir un enfant, ouais, Abraham a manifesté, n'est-ce pas, des temps de faiblesse. Mais c'est quelqu'un qui a su, n'est-ce pas, revenir, n'est-ce pas, sur le droit chemin. Et lorsque les anges, lorsque le Seigneur va se révéler à lui, frère, il ne s'est pas posé beaucoup de questions. Il n'est pas rentré, n'est-ce pas? Il n'a pas douté. Oui, il a reçu, n'est-ce pas, cette visitation du Seigneur. Et à partir de cette visitation, n'est-ce pas, le Seigneur a commencé quelque chose de nouveau, n'est-ce pas, dans sa vie. La parole de Yahweh nous dit, n'est-ce pas, d'exercer l'hospitalité. Car en agissant ainsi, beaucoup ont logé, n'est-ce pas, les anges. Vous savez, parfois, il y a des moyens que le Seigneur utilise que nous, les hommes, nous ne comprenons pas. Ouais, nous avons, n'est-ce pas, une façon de comprendre des choses, n'est-ce pas, qui n'est pas forcément, n'est-ce pas, les mêmes moyens que le Seigneur met en place pour nous visiter. Alors voilà pourquoi, frères et sœurs, on a besoin, n'est-ce pas, d'avoir une bonne attitude. On a besoin, n'est-ce pas, d'être très sensible pour ne pas passer à côté de ce que le Seigneur veut faire dans nos vies. Alors je me rappelle un frère qui était troublé, qui avait... Il était toujours visité, n'est-ce pas? Il était toujours atteint par des violents maux de tête, des violents maux de tête, des violents maux de tête. Et pendant nos réunions, n'est-ce pas, on s'assemblait, il donnait toujours le Seigneur des prières. L'église priait pour lui. Et
dans son cœur, n'est-ce pas, il n'était pas convaincu quand les frères et sœurs priaient pour lui. Parce que pour lui, il se disait que comme au milieu, n'est-ce pas, des frères, il y avait un frère que le Seigneur utilisait beaucoup dans la prière de délivrance, de guérison, ainsi de suite. Vous voyez, le Seigneur l'utilisait beaucoup. Donc, ce frère-là attendait forcément à ce que, vous voyez, ce frère qui avait cette grâce-là vienne vers lui, n'est-ce pas, et pour l'imposer la main afin qu'il obtienne la guérison. Vous voyez? Donc, malgré tout ce que les frères faisaient, les frères ont prié, son cœur n'était pas ouvert, son cœur était fermé. Il attendait l'imposition de main, n'est-ce pas, de ce frère qui avait la grâce dans la guérison, dans la délivrance. Les frères ont prié et au bout d'un moment, rien ne s'était passé. Vous voyez, le mal était là, le mal persistait. Et après la prière, il allait voir le frère, il a dit, ah, frère, non, moi, je veux partir, je veux personnellement que tu pries pour moi. Parce que je sais que le Seigneur a déposé quelque chose dans sa vie, dans ta vie. Ouais. Et le frère aussi a prié pour lui. Ouais. Mais après la prière, le frère qui était malade s'est rendu compte que mais le mal de tête n'est pas parti. Ouais. Et la douleur ne faisait qu'augmenter. Et en rentrant chez lui, il était déçu. Il dit, ah Seigneur, et pourtant dans ta parole, tu dis que c'est par tes meurtrissures que nous sommes guéris. Mais comment se fait-il que je t'ai invoqué, n'est-ce pas, et tu n'as pas réagi? Alors, pendant qu'il dormait, n'est-ce pas, dans un songe, le Seigneur lui dit que, mais non, mais je t'ai visité, mais tu as été indifférent, n'est-ce pas, face à ma visitation. Et le Seigneur l'avait visité où? Le Seigneur l'avait visité pendant que l'église, les frères, n'est-ce pas, l'assemblée priait pour lui. Le Seigneur avait décidé de le guérir, mais son cœur était fermé. Pourquoi? Parce que lui, n'est-ce pas, dans son cœur, il avait déjà un moyen qu'il avait en lui. Ça veut dire que le moyen, c'était quoi? Ça veut dire qu'il fallait que le frère que le Seigneur utilise le plus souvent dans les réunions pour prier pour les gens, ainsi de suite, là, prie pour lui. Et il pensait que c'est au moyen, n'est-ce pas, de cette prière-là, n'est-ce pas, venant de ce frère-là, qu'il allait obtenir la guérison. Or, mais ce n'était pas le plan du Seigneur par rapport à sa vie. Le Seigneur avait prévu autre chose, n'est-ce pas, pour sa guérison. Vous voyez, il a fermé son cœur. Le Seigneur, il était indifférent, n'est-ce pas? Les frères ont prié pour lui, mais son cœur était fermé. Parce que lui, il avait une autre façon de voir les choses. Vous voyez, l'indifférence, n'est-ce pas, peut constituer un danger pour nous. Voilà pourquoi Yeshua va dire, n'est-ce pas? Il dit, malheur à toi. N'est-ce pas, Bethsaïda, si les miracles qui ont été faits au milieu de vous avaient été faits à Sodome et Gomorrhe, il y a longtemps que Sodome et Gomorrhe s'y seraient repentis. Vous voyez? Ça veut dire que le Seigneur, n'est-ce pas, en arrivant en Israël, a opéré des miracles, des guérisons, c'était parce qu'il voulait interpeller, il voulait parler directement au cœur de ses enfants, afin de les amener, n'est-ce pas, à saisir le temps de la grâce, à quitter, à comprendre que c'était le temps, n'est-ce pas, de leur délivrance. C'était le temps où le Seigneur, n'est-ce pas, les avait visités pour leur libérer, n'est-ce pas, de la domination romaine, ou un peu de l'esclavage du péché. Mais le peuple israélite a été indifférent. Ils ont été indifférents. Pourquoi? Parce que c'était dans leur cœur. Ils attendaient, n'est-ce pas, un autre Messie, quelqu'un qui allait descendre du ciel. Le ciel allait s'ouvrir et puis ils allaient voir un homme tout de blanc vêtu arriver avec des pieds soit en or ou bien quoi, on ne sait pas. Ouais, un peu. Vous savez, parfois nous faisons des imaginations, nous faisons des idées, ouais, un peu, des idées qu'on peut, n'est-ce pas, concevoir, pensant que le Seigneur va forcément épouser nos pensées pour accomplir son plan. Non. Ouais, la Bible nous dit que les pensées du Seigneur ne sont pas nos pensées. Oui. Donc, frère, si nous ne faisons pas attention, frère, on peut passer à côté de beaucoup des choses que le Seigneur veut faire dans notre vie. Parce que nous n'arrivons pas à saisir le plan d'Adonai, le plan d'Elohim par rapport à nos vies. Donc, bien-aimés, la Bible nous dit, n'est-ce pas, que la Bible nous dit que l'âme de ce peuple-là était tellement, n'est-ce pas, mortifiée, troublée à cause des moqueries. À cause des choses, n'est-ce pas, qu'ils ont endurées, à cause du mépris. Donc, à force d'entendre, d'écouter, n'est-ce pas, que ta vie, que tu es perdu, ça fait 10 ans que ta vie ne change pas, ça fait 5 ans que tu es comme ça, tu tournes en rond. Mais si tu fais asseoir ces paroles, n'est-ce pas, qui sortent des bouches de certaines personnes-là, et tu les gardes dans ton cœur, frère, le Seigneur peut décider, n'est-ce pas, de te visiter. Mais comme ton âme est troublée, comme ton âme est déjà malade, tu peux ne pas saisir ce que le Seigneur veut faire dans ta vie. Vous voyez? Il y en a. Comme ils se sont tellement négligés, le Seigneur peut décider, n'est-ce pas, d'ouvrir une porte. Vous voyez, le Seigneur trouve une porte dans une grande structure.
Ouais, un peu. Et on décide, la société décide que non, mais c'est toi, n'est-ce pas, que on doit recruter, n'est-ce pas, pour venir gérer, n'est-ce pas, une grande boîte. Mais si toi, n'est-ce pas, tu as fait asseoir dans ton cœur que ah, je suis incompétent, je ne mérite rien, ma vie ne vaut rien, ainsi de suite. Tu peux passer à côté. Tu vas commencer, n'est-ce pas, à te juger par rapport à tes compétences. Mais tu oublies que le Seigneur peut décider de faire grâce. Ouais, un peu. Ouais, un peu. Le Seigneur peut décider de faire grâce à qui il veut, comme il veut. Ouais, un peu. Ouais, le Seigneur est souverain. Donc, nous devons faire attention. Le Seigneur, n'est-ce pas, les critères, n'est-ce pas, d'élévation dans le monde, n'est-ce pas, se focalisent par rapport à quoi? Par rapport à la connaissance que nous avons, par rapport au diplôme. Oui, c'est vrai. Ouais, un peu. Ça, c'est selon le monde et c'est normal. Mais le Seigneur aussi, n'est-ce pas, peut décider d'agir dans la vie d'une personne qui n'a pas forcément des compétences. Et il décide, n'est-ce pas, que par toi, il va faire quelque chose de grand. Mais si toi, tu ne perçois pas, n'est-ce pas, le plan du Seigneur et comprendre que le Seigneur, n'est-ce pas, veut agir puissamment dans ta vie, tu peux commencer, n'est-ce pas, à te limiter et avoir des pensées qui vont à l'encontre de ce que le Seigneur veut faire avec toi. Et tu peux te bloquer, tu peux retarder ta vie. Frère, ouais, nous devons faire attention, n'est-ce pas, aux pensées qui nous animent, à ce qu'on entend. Ouais, un peu. Et parce que si nous ne faisons pas attention, frère, on ne peut pas, on peut ne pas saisir quand le Seigneur, n'est-ce pas, décide de nous visiter. Nous allons lire un passage dans Amos chapitre 6, à partir du verset 1. Amos chapitre 6, à partir du verset 1. Ouais. La Bible dit, « Malheur à ceux qui vivent tranquilles dans Sion, à ceux qui mettent leur confiance dans la montagne de Samarie, surnommée la première des nations, vers qui va la maison d'Israël. » Oui, la Bible dit, « Malheur à ceux qui vivent tranquilles. » Donc ça veut dire que, ouais, le fait aussi, n'est-ce pas, d'être tranquille, peut te pousser à être indifférent face à la visitation du Seigneur. Vous savez, il y a des gens, n'est-ce pas, comme dans leur vie, le Seigneur leur a fait grâce, oui, d'avoir certains biens. Oui, alors, pour eux, n'est-ce pas, tous ceux qui sont, n'est-ce pas, en difficulté, n'est-ce pas, leur difficulté, n'est-ce pas, c'est le produit certainement du péché, ou bien de la paresse, ou bien d'un manque de volonté. Mais non, ce n'est pas le cas. Je veux dire, en agissant ainsi, tu peux aussi, n'est-ce pas, en train de te retrouver à être indifférent par rapport à ce que le Seigneur veut faire dans la vie de ceux et celles qui sont à côté de toi. Vous voyez? Ça veut dire que si un frère passe par des temps compliqués, ce n'est pas forcément qu'il est paresseux, ou ce n'est pas forcément, n'est-ce pas, que la malédiction est sur lui. Non, le Seigneur peut permettre, ouais, un peu, qu'il passe par là, parce que c'est un temps de formation. C'est un temps où le Seigneur, n'est-ce pas, veut bâtir quelque chose dans sa vie. Mais si toi qui es tranquille, toi que le Seigneur bénit en ce moment, n'est-ce pas, tu commences à avoir des préjugés, à avoir des pensées qui vont à l'encontre du plan du Seigneur par rapport à sa vie. Frère, cette situation, cette façon de faire, n'est-ce pas, peut te pousser aussi à être dans un état de péché. Un peu, c'est aussi être indifférent. Vous voyez, l'indifférence aussi, ça va te rendre insensible. Tu es insensible face à l'action du Seigneur. Et tu vas apporter un jugement, n'est-ce pas, qui n'est pas forcément vrai. Pourquoi, frères et sœurs, nous devons veiller, n'est-ce pas, avant d'ouvrir nos bouches, avant de dire quoi que ce soit, nous devons d'abord nous rassurer si réellement ce que nous allons dire, n'est-ce pas, épouse la pensée du Seigneur par rapport à la situation qui se présente devant nous. Oui, frère, donc, comprenons que le péché de l'indifférence, n'est-ce pas, est un danger, est un piège pour beaucoup d'enfants du Seigneur. La Bible nous dit dans le Proverbe que celui, n'est-ce pas, qui se moque du pauvre, n'est-ce pas, subira la conséquence. Je paraphrase, vous voyez un peu. La Bible nous demande de ne pas se moquer du pauvre. Ça veut dire qu'il y a des gens parfois qui tâtonnent. Oui, leur tâtonnement là, n'est-ce pas, n'est pas forcément la conséquence d'un péché, n'est pas forcément la conséquence de quoi que ce soit. Le Seigneur permet qu'ils passent par là, parce que il y a un travail, il y a quelque chose que le Seigneur veut les amener à comprendre. Oui, ne soyons pas promptes à porter un jugement, ne soyons pas promptes à parler. Oui, en agissant ainsi, n'est-ce pas, tu peux te retrouver, voyez, en train d'apporter un jugement qui est faux. Et apporter un jugement qui est faux en retour, n'est-ce pas? Vous savez, la Bible dit que la manière dont nous nous sommes servis, n'est-ce pas, pour juger les autres, le Seigneur se servira aussi, n'est-ce pas, de la même mesure pour nous aussi.
voyez, ça peut à la longue aussi, n'est-ce pas, nous amener à nous retrouver en train de subir, n'est-ce pas, en train d'être jugé, n'est-ce pas, par le Seigneur, parce qu'on a été indifférent, c'est parce qu'on a été prompt au jugement, on n'a pas cherché à comprendre ce qui est arrivé dans la vie du frère ou bien de la sœur, mais nous nous sommes focalisés, nous sommes vite lancés, n'est-ce pas, à parler, à dire des choses. Pourquoi? Parce que dans ton cœur, tu te réjouis. Parce que dans ton cœur aujourd'hui, tout semble aller pour toi, tout va bien pour toi. Mais tu oublies qu'avant que toi aussi tu te retrouves dans l'abondance, il t'est arrivé à des moments où tu es passé par des temps difficiles. Mais ces temps difficiles que tu as traversés là n'étaient pas forcément les conséquences d'un péché. Mais non, le Seigneur a permis aussi à ce que tu passes par là parce qu'il a voulu bâtir quelque chose en toi. Et aujourd'hui, ça porte du fruit. Et comprends aussi que dans la vie du frère aussi qui passe par cette situation-là aussi, tôt ou tard, ça peut aussi porter du fruit, frère. Donc ne soyons pas insensibles, ne soyons pas indifférents. Plutôt, n'est-ce pas, le Seigneur nous demande de compatir, de prier et d'encourager, être prompt, n'est-ce pas, à aider, à encourager. Et non pas, n'est-ce pas, sortir des propos qui vont blesser, qui vont décourager. Ce n'est pas une bonne attitude. Vous voyez, la Bible, la parole est claire, frère. Nous devons veiller, n'est-ce pas, à ne pas passer à côté, n'est-ce pas, du plan du Seigneur. Et dans Luc au chapitre 21, Évangile de Luc au chapitre 21. Voilà aussi une cause, n'est-ce pas, qui peut nous amener à être indifférents face à la visitation, n'est-ce pas, du Seigneur. Luc chapitre 21, on va lire à partir du verset 33. La Bible dit, à partir du verset 34, Luc chapitre 21, à partir du verset 34 plutôt, la Bible dit, « Mais faites attention à vous-même, de peur que vos cœurs ne soient surchargés par les excès de vin ou l'ivrognerie et par les soucis de cette vie, et que ce jour-là ne vous surprenne subitement, car il surprendra comme un piège tous ceux qui habitent sur la face de toute la terre. Veillez donc, priant en tout temps, afin que vous soyez jugés dignes d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de vous tenir debout devant le Fils de l'homme. » Vous voyez, la Bible ici, n'est-ce pas, Yeshua nous interpelle à la vigilance, n'est-ce pas, face à quoi? Aux soucis de la vie. Ça veut dire que les soucis de la vie, n'est-ce pas, peuvent nous pousser, peuvent nous rendre indifférents face à la visitation du Seigneur. Tellement que dans ton cœur, dans nos cœurs, n'est-ce pas, tu as le souci de te marier ou le souci, n'est-ce pas, de voyager entre ton cœur, mais tu peux passer à côté de ce que le Seigneur veut faire dans ta vie. Ça veut dire, le bonheur n'est pas forcément lié à ton mariage ou le bonheur n'est pas forcément lié à ton voyage. Vous voyez, il y a certainement quelque chose que le Seigneur veut t'amener à faire. Et ce que le Seigneur veut t'amener à faire, n'est-ce pas, c'est réellement dans ce à quoi, n'est-ce pas, ton destin est lié. Mais comme dans ton cœur, il y a tellement un souci qui entre dans ton cœur, frère, sœur, tu peux être indifférent à ce que le Seigneur te dit. Pourquoi? Parce que ton âme est troublée, ton âme est stigmatisée. Il y a un désir qui anime ton cœur. Il y a, voilà, les soucis de la vie. Vous voyez, ces soucis-là, n'est-ce pas, nous poussent à être indifférents à l'action du Seigneur. Ouais, et beaucoup, n'est-ce pas, sont paralysés, beaucoup sont cassés, beaucoup, n'est-ce pas, leur marche n'évolue pas, leur marche, n'est-ce pas, n'a pas, il n'y a pas d'éclosion, il n'y a pas de percée. Ouais, pourquoi? Parce que les cœurs sont saturés, les cœurs sont habités, ouais, par les multiples préoccupations, n'est-ce pas, que nous avons au quotidien. Seigneur, je veux ci, Seigneur, je veux faire cela, Seigneur, je veux faire ceci, ainsi de suite. Ouais, or, tout ce qui est bon pour nous, n'est-ce pas, c'est ce que le Seigneur veut nous donner. Voilà pourquoi, n'est-ce pas, il est nécessaire de chercher premièrement le royaume des cieux, nous dit la parole, ou un peu, et sa justice. Ça veut dire que nous devons rechercher la volonté d'Adonai par rapport à notre vie. C'est dans la connaissance de la volonté, n'est-ce pas, du Seigneur, que nous allons réellement trouver la paix, que nous allons réellement avoir un équilibre par rapport à notre vie. Vous voyez, beaucoup ont fait, n'est-ce pas, les mauvais choix de mariage. Pourquoi? Mais c'est parce qu'ils se sont précipités. Beaucoup ont fait des mauvais choix dans leur vie. Un peu, pourquoi? Mais c'est parce qu'ils se sont précipités. Un peu. Parce que dans leur cœur, n'est-ce pas, il y avait tellement de désirs qu'ils voulaient accomplir. Et ils n'ont pas su quand le Seigneur les avait visités. Vous voyez, parfois,
le Seigneur utilise des voies, le Seigneur utilise des moyens, voyez, qui sont parfois contraires à nos attentes. Voyez, on peut avoir des attentes dans nos cœurs, on peut avoir des désirs qu'on veut réellement vivre, des choses qu'on veut expérimenter. Voyez, et on peut se faire tout un film, on peut se faire des images, on peut se créer tout un monde imaginaire dans notre pensée. Vous savez, dans la pensée de l'homme, se passe beaucoup de choses, hein? Beaucoup de choses. Un peu. Et tu peux commencer à vivre au travers, n'est-ce pas, de ces imaginations-là. Tu peux commencer à vivre, et penser que forcément, n'est-ce pas, ta vie va ressembler à la pensée, aux pensées que tu développes. Mais alors que tu es en train de te détruire, tu es en train de t'éloigner petit à petit réellement, n'est-ce pas, de ce que le Seigneur a prévu pour toi. Voyez? Et quand le Seigneur te montre réellement que voilà, voici ce que je veux faire avec toi, frère, tu peux t'opposer. Pourquoi? Parce que pour toi, tu as tellement un désir que tu as nourri et tu veux obliger le Seigneur, n'est-ce pas, à agir comme toi tu penses ou comme tu veux. Les gens ont mal, n'est-ce pas, interprété le passage dans le psaume 37 qui dit « Fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. » Vous voyez, les gens ont mal compris. Vous voyez, ce que notre cœur désire, il n'y a que Adonai seul qui connaît ce qui est bien pour nous. Frère, ce n'est pas je veux me marier, je veux que mon mari soit comme ça, mon mari soit ainsi, ou bien je veux avoir un tel type de travail. Ou bien, non, ce n'est pas ça. Ce qui est nécessaire pour nous, n'est-ce pas, c'est de nous soumettre au Seigneur. C'est de marcher selon la volonté du Seigneur. C'est de faire ce que le Seigneur, n'est-ce pas, nous recommande. Et le Seigneur, n'est-ce pas, prendra soin de nous. Il va nous orienter, il va nous guider. Au moment opportun, au temps convenable, n'est-ce pas, il nous donnera ce qui est nécessaire pour nous. Vous savez, quelqu'un qui marche comme ça avec le Seigneur, il sera difficile de passer à côté. Il nous sera difficile, n'est-ce pas, de connaître l'échec. Pourquoi? Parce que avec Yeshua, nous irons de victoire en victoire, de gloire en gloire. Voilà pourquoi, frère, nous devons sortir, n'est-ce pas, parfois de ce monde dans lequel on a ce monde qu'on a créé au travers de nos pensées impies, au travers de nos pensées charnelles, au travers de nos pensées émotionnelles. Nous devons laisser toutes ces choses et apprendre à faire confiance au Seigneur. Voyez, à nous appuyer sur la parole, en restant fidèles au Seigneur. Frère, en agissant ainsi, frère, nous sommes sûrs que peu importe les vents, peu importe les tempêtes, rien ne pourra nous ébranler. On restera toujours debout et on sortira de là vainqueur. Pourquoi? Parce que Yeshua est avec nous. Vous voyez, les soucis de la vie. Vous voyez, nous sommes tellement préoccupés par les soucis de la vie que quand le Seigneur nous visite, vous voyez, nous sommes indifférents. Je me rappelle à l'époque, lorsque j'étais nouvellement converti, vous voyez, nous étions dans une assemblée où on persévérait et il y a une sœur qui donnait des cieux de prière. En fait, le Seigneur s'était révélé à elle, le Seigneur lui avait dit que cette année, n'est-ce pas, je vais faire quelque chose de grand dans ta vie et tu vas te marier. En fait, le Seigneur lui avait clairement dit qu'elle allait se marier. Et elle est venue, elle a donné un cieux de prière. Ah, le Seigneur m'a visité, le Seigneur a dit qu'il va faire quelque chose de grand, il va permettre à ce que je rentre, n'est-ce pas, dans l'alliance du mariage. Vraiment, gloire soit rendue au Seigneur. Vous voyez, on était contents, on encourageait, on a prié pour elle. Et au bout d'un moment, il y a un frère qui est arrivé, vous voyez, vers elle, lui demander la main. Et tellement que le frère était un peu, excusez-moi l'expression, un peu désordonné. Vous voyez, c'était un frère qui faisait de la mécanique. Mais après la mécanique, toi, il venait en assemblée, il ne prenait pas la peine, n'est-ce pas, d'enlever lui le corps. Parfois, il arrivait comme ça. Donc, vous savez, quelqu'un comme ça, là, quand il est à côté de toi, parfois, il sent la transpiration. Ainsi, c'était compliqué. Et le frère est venu, n'est-ce pas? Il a dit à la sœur, ah, voilà ce que j'ai à cœur, ce que j'ai reçu du Seigneur par rapport à toi. Et c'est le Seigneur, n'est-ce pas, qui m'envoie te dire que voilà, te demander la main. Vous voyez? Mais vu, n'est-ce pas, l'état du frère, la sœur va catégoriquement refuser. Elle va dire au frère, elle va demander au frère de ne plus jamais venir lui parler de ça. Vous voyez, elle va rester radicale. Et à la même période aussi, vous voyez, on avait la visitation, n'est-ce pas, d'un autre frère aussi, qui venait, ouais, un peu, et qui venait aux assemblées, qui venait aux réunions. Et le frère, n'est-ce pas, avait
Il était toujours bien habillé, il était toujours pensé, bien coiffé, ainsi de suite, il sentait toujours bon, vrai. Et il avait toujours, n'est-ce pas, l'air de quelqu'un qui, en fait, quelqu'un qui avait une vie aisée, une vie tranquille. Et ce frère-là aussi, n'est-ce pas, est allé demander la main à la sœur. Et la sœur, voyant l'attitude, voyant, n'est-ce pas, que le frère avait les critères qui correspondaient, n'est-ce pas, à ce que son cœur voulait, elle a accepté. Mais malheureusement, à la longue, elle s'est rendue compte que ce frère-là n'était pas réellement un vrai frère, c'était un envoyé du diable. Vous voyez, après le mariage, les deux sont mariés. Mais après le mariage, il a commencé à battre la sœur. Il a commencé à la menacer, l'interdire même, n'est-ce pas, à ne plus venir aux réunions, à ne plus fréquenter l'assemblée. Vous voyez, elle est tombée dans un piège. Vous voyez, le Seigneur l'a visitée, mais comme dans son cœur, elle avait déjà des prédispositions, elle avait déjà une pensée, elle avait déjà un canevas. Et en se laissant guider, n'est-ce pas, par, n'est-ce pas, le canevas qui était imprégné dans son cœur, elle est passée à côté. Et quand le Seigneur l'a parlé, n'est-ce pas, ça veut dire, elle n'a pas pris la peine d'aller consulter le Seigneur pour dire, Seigneur, réellement, montre-moi, n'est-ce pas, celui que tu as réellement prévu pour moi. Non, mais elle s'est laissée diriger, n'est-ce pas, par hein, l'état de son cœur, par son âme. Et ça a été difficile pour elle après. La Bible nous parle aussi, n'est-ce pas, de Lot et d'Abraham. Lors de la séparation de Lot et Abraham, la Bible dit que Lot, lorsqu'il va regarder, n'est-ce pas, la voie qui allait vers Sodome et Gomorrhe, il va voir une ville, des villes, il va voir un beau paysage, il va voir quelque chose qui brillait. Et il va décider, n'est-ce pas, de se diriger vers là-bas. Et Abraham, lui, va choisir les montagnes. Vous voyez? Et lorsqu'on regarde, n'est-ce pas, à vue d'œil, les montagnes, vous voyez, on voit, on a l'aspect, on a la pensée de la souffrance. On a la pensée, n'est-ce pas, de quelque chose qui est difficile, de l'épreuve. Des situations compliquées. Mais quand on voit les plaines, on voit tout ce qui est beau, tout ce qui frappe des yeux, parce que la ville brillait. Il y avait une lumière qui, certainement, qui éclatait, une lumière éclatante qui sortait de Sodome et Gomorrhe. Mais à Sodome et Gomorrhe, frère, il y avait des impies. C'était des villes qui étaient remplies d'impies. Et lorsque Lot s'est retrouvé là-bas, c'était terrible pour lui. C'était terrible pour Lot. C'était compliqué, frère. Nous devons faire attention, frère. L'indifférence est un danger pour notre marche. Nous devons faire attention, on doit veiller. Nous devons davantage, n'est-ce pas, nous examiner, regarder l'état de notre cœur, regarder, n'est-ce pas, ce qui anime nos choix, ce qui nous pousse, n'est-ce pas, à faire des choix. Quel est l'état de notre cœur? Quel est l'état, n'est-ce pas, de notre vie avec le Seigneur? Et si nous réalisons que ça ne va pas, il est encore mieux, n'est-ce pas, de retourner vers le Seigneur, de prier, de demander au Seigneur, n'est-ce pas, de nous guérir, hein, et de nous rendre, n'est-ce pas, sensibles à ce qu'il veut faire, de nous donner le discernement, n'est-ce pas, de pouvoir saisir, n'est-ce pas, ce qu'il veut accomplir dans notre vie. Même si la chose paraît bizarre, même si ça semble être flou, les choses avec le Seigneur peuvent commencer petit et terminer grand. Vous voyez? Quand le Seigneur avait dit à Abraham qu'il allait bénir Abraham, Abraham ne savait pas par où le Seigneur allait passer pour accomplir son plan. Mais le plan du Seigneur a fini par se réaliser. Certainement, le Seigneur a parlé à ton cœur. Mais peu importe les temps que tu traverses, peu importe ce que tu vis aujourd'hui, peu importe ce que les gens ont pu dire sur toi, peu importe ce que tu as écouté, ce que tu as entendu, mais sois sobre, sois stable, sois serein. Garde ta foi. Reste fixé, n'est-ce pas, sur Yahushua. Le Seigneur te guidera. Et ce qui est confié aujourd'hui, n'est-ce pas, peut finir par être clair demain. Que la paix du Seigneur soit avec chacun de nous, que le Seigneur nous garde tous et que le Seigneur nous préserve, n'est-ce pas, des pièges du diable. Au nom de Yeshua. Amen.